Yo les amis, bienvenue dans ce nouveau Balance ta reprise. Oui, je sais, ça faisait longtemps qu'on s'était pas fait un petit Balance ta reprise, erreur réparée, et en plus avec un morceau que j'affectionne particulièrement, c'est y part générique. Nous sommes en 1927 lorsque le poète allemand Bertolt Brecht va écrire son célèbre poème Moon of Alabama. Alors au cours de l'histoire, ce poème va prendre plusieurs noms, Moon over Alabama, Whiskey Bar, mais c'est surtout sous le nom de Alabama Song qu'il va se faire connaître. C'est en 1930 que le célèbre compositeur allemand Kurt Weill va transformer le poème en chanson pour son célèbre opéra Grandeur et décadence de la ville de Mahagoni. Mahagoni, c'est une ville imaginaire et l'opéra raconte la création de la ville, son âge d'or, avant qu'elle sombre complètement dans le chaos. Il faut savoir que cet opéra est interdit en Allemagne dès sa sortie, et cela pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le régime allemand considère que la musique de Wells est un peu trop juive. Mais ce qui va surtout déranger dans l'opéra de Wells, c'est les thèmes abordés qui sont l'injustice sociale et le capitalisme qui s'impose dans les sociétés modernes, créant de l'autodestruction. La démocratie ne vous protège plus contre les inégalités de ce capitalisme devenu fou. Cette chanson va tomber un petit peu dans l'oubli, et il va falloir faire un bond jusqu'en janvier 1967 pour entendre parler d'Alabama Song. En effet, nous sommes en 1967 lorsque le premier album de The Doors sort. Le groupe se fait repérer l'année précédente lors d'une prestation dans le célèbre club, le Whiskey à Gogo. D'ailleurs, le morceau serait un clin d'œil à ce lieu. Le texte a été modifié par Jim Morrison et l'instrumental a été complètement revu, ce qui lui donne cet aspect un petit peu carnaval. Bien que devenu un morceau culte du groupe, à la sortie de l'album, ce morceau ne rencontre pas le succès et c'est un autre single, Like My Fire, qui va faire connaître le groupe au monde entier. Il faut savoir que les Doors ne sont pas les seuls à avoir repris ce morceau. En 1978, presque 10 ans après la reprise des Doors, l'immense David Bowie, grand fan de Brecht, va lui aussi proposer sa version d'Alabama Song. Voilà les amis, c'est fini pour ce nouvel épisode de Balance ta reprise. J'espère que ça vous a plu, ça va vous permettre de vous plonger ou replonger dans ce premier album des Doors qui est une vraie pépite. Moi en tout cas, je vous dis à la prochaine. Écoutez de la bonne musique, entraînez-vous, mettez un pouce bleu, ça aide vachement la chaîne, et je vous dis tchuss !